tuopesi basantu nyoso mbote na kombo na Yesu. Chika kimia pe bolingo na kolo Yesu. Eza la likolo ya moko na moko. Tuopesi nzambe merci po na okazion oyo. Aibi na kwa akorde biso susu po na kweba na kwa partaje. Oeza maloba na ye. Ebele bazwi yango te me pa sa grâce so tozwi yango. Voilà pourquoi kombo na ye ezwa lukumu kombo na ye pambolama pour ce temps. Que le Seigneur soit béni. Toza précisément la septième parole de notre Seigneur Jésus Christ à la croix. Tosimba kiango na baspe déjà moi ebele. Tozo koba lelo pona kozwa so aspe mususu. Parce que l'évangile nabiso, c'est l'évangile ya ba couleur rebelle. C'est ça la tunique de Joseph. C'est la tunique moko, mais c'est la na ba couleur rebelle. Un évangile à plusieurs couleurs, un évangile de plusieurs aspects. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Voilà pourquoi nous devons changer aspect mususu par rapport. Il y a septième parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni. Avant tout, Banda, tout bon délit. Seigneur Jésus, tout précieux, merci pour ce temps. Aux Alanzambe, Oyo, à Kolobelosona, Tang Oyo, aux Alanzambe, Oyo, à Kotombama, à Kotea, Zala Lite, à Pézala Motei, Nyon, soyez au nom de Jésus. Que ta grâce, que ta paix nous accompagne. Dans cet enseignement au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous donner un lique, passage de base. Lique chapitre Nayango 23, verset 46. Lique 23, 46. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains, et en disant ces paroles, il expira. Kolo Yesu apambola écriture. Dozim kanda ya nombre chapitre 10. Nombre chapitre 10, dozim verset 33. Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent trois jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux. Et fit une marche de trois jours pour leur chercher un lieu de repos. Koloesu apambola makumi oyo. Par la grâce de Dieu, toyebaki na kosimba mbala eleki maboko ya Nzambe oyo sika molimo azobima na nzoto ya Yesu azokende comme le ministère. Tolobaki ke l'esprit de Dieu akota ki nakata nzoto ya Jésus pour travailler. Ako travailler, ako travailler, ako travailler. Tozomona mokolo ya baptême, nde molimo na Nzambe azoya nakata nzoto wana. Ako travailler, ako travailler, ako travailler, tango ako silisa ko travailler nakata nzoto wana. Molimo wana sikolo fwa bima. Azonga, mazozonga wapi? Azozonga na maboko. Abi Père, je remets mon esprit entre tes mains. Azozonga na maboko ya papa. Que le Seigneur nous bénisse. Yango tukende ko talisa na Matthieu 13. Ba talisa biso que le Seigneur était dans la maison mais azobima na kata ndako. Dans azobima na kata ndako azokende pembeni ya mai. Ndako matali kolo ya barque. Ndeli kolo ya barque akobanda ko parler en parabole, enseigner, enseigner, enseigner mais ako enseigner en parabole. Donc enseigner qui ouvertement te enseigner qui a parabole. Tango akosilisa ko enseigner, okuremarke akozonga na kati ya ndako. Nde Bible ndotalisa biso ke tango azalaki na full wana za likolo ya barke azoloba parabole. Mais tango azozonga na kati ya ndako, kuna na kati ya ndako nde azako expliquer. C'est pour dire que la foule eza o esika bato bazakaka na parabole me bazangi explication. Mais na kati ya ndako bato bazakaka na parabole te, na kati ya ndako bato baza na parabole baza pe na explication. Tolobi ke le Seigneur na kati ya ndako c'est ça Dieu à l'éternité. Il était là comme esprit.
Tant que nous avons le Seigneur, nous avons le Seigneur, c'est ça Dieu qui quitte l'éternité. Tant que nous avons quitté l'éternité, nous avons le Seigneur. Maï par rapport à Apocalypse 17:15, les eaux qui étaient à vie sont des peuples, des foules et des langues. C'est pour dire que Dieu devait quitter l'éternité. Aya Pembeni Abatou, Emmanuel, le Dieu qui autrefois était éloigné et qui était invisible, mais Azoya Pembeni Abatou. Azo Matanakati Abarke. Barke Azo Mata Oyo, c'est ça le corps de Jésus. C'est ça le corps de Jésus. Tango matana kati ya barke ne akobanda kuteya tango azoteya batu c'était en parabole yango tolobi ke quand le Seigneur était venu dans le corps de Jésus il enseignait en parabole tango zo mona Jésus na kati ya barke azolo bana parabole c'est ça l'esprit dans le corps de Jésus qui parlait en parabole mais Jésus après avoir côté il faut acquitter barke tango acquitter barke akokota na kati ya ndako tozoloba ke ntango ozomona Jésus azokite barke c'est ça écriture ezaa kosaccomplir père je remets mon esprit entre tes mains barke wana c'est ça le corps de Jésus oyo c'est pour dire que quand l'esprit était venu dans ses corps c'était pour accomplir une mission cette mission ezalaki nde aparler enseigner mais en parabole mais ntango akosilisa koenseigner en parabole il fallo ba je remets mon esprit entre tes mains akite barke azongi na kata ndako mais attention tango azokota na kata ndako mais bilobi ke na libanda bandai koloba parabole mais dans la maison il expliquait les paraboles yango tolobi ke libanda oyo etalisaka pe tozozongo na baspe mibale aspect ya liboso libanda oyo eotalisa bato nyonso je crois esika kombo ya bituluku ebimelaka na sens que la Bible dit que foule ezalaki wana lingala etuluku ya bato c'est pour dire que foule bazalaki kaka na parabole mais bazalaki na explication te aujourd'hui etuluku eza esika nyonso bato bazaka na parabole mais baza na explication te parabole etalisaka makomi noir sur blanc non expliqué yango wana bituluku wana eza na première explication. Deuxième explication, bituluku oyo ezangi explication oyo o bazaka na parabole mais bazan explication te na bina aspect ya liboso bituluku wana eotalisa bisika nyonso bato basangani bazakaka na lettre sans explication baza pe bituluku etuluku donc baza na lettre sans explication wana eza première explication. Deuxième explication, bituluku oyo etuluku ya bato oyo oyo bayokaka parabole mais bazwi explication te c'est aussi la maison d'Israël nazalaki Israël ti lelo azalaka kaka na parabole mais Israël azalaka na explication te que le Seigneur nous bénisse. Israël ti lelo azalaka kaka na parabole mais azalaka na explication te donc azo manquer explication ce qui na lobi boye to éventé te toza na mukanda ya Osée chapitre 12 na verset na yango 11 je parlais au prophète j'ai multiplié les visions et par les prophètes j'ai proposé des paraboles que Jésus soit béni c'est pour dire que quand les prophètes prophétisaient c'était des paraboles yango to dit que foulo yo et tel se rappelle la maison d'Israël et ça s'appelle la maison d'Israël oyo bazaka kana parabole c'est pour dire la loi le prophète le psaume c'est parabole mais bazanga explication que le Seigneur nous bénisse je crois oyo rappel aussi to lobe la kiango donc foule oyo ça s'appelle la maison d'Israël o bazana parabole bana explication te mais tant que que je remets mon esprit entre tes mains à côté na kati ndako c'est ça la maison. Yango tobi ke lelo maboko wana sika molimo azali c'est le ministère de la parole tango azoya na maboko ce n'est plus pour parler en parabole mais c'est pour expliquer maintenant les paraboles yango tomoni le jour de la Pentecôte quand le Saint-Esprit azoya na nzela ya ministère tomoni frère Pierre azoya pour commencer à expliquer maintenant les paraboles que le Seigneur
yango na mukanda ya nombre to pesi écriture to lobela ki yango déjà na mukanda ya nombre o remarqué bible zolo bakia tangu bakoeba na ko démonter tabernacle peuple d'Israël a kotambola akobanda marche pa ko pesa mukongo na montagne de l'Éternel. C'est pour dire que selon Nombre chapitre 10, aussi le temps que le tabernacle était dressé, le peuple a campé tout autour du tabernacle, puis l'arche était à l'intérieur du tabernacle. Maintenant, on va démonter le tabernacle, c'est pour ça que le peuple a quitté. C'est pour ça que le peuple a quitté. Oyo esa montagne de l'Éternel, abanda marche, puis l'arche est bimanakata tabernacle, zo kende pa ba sacrificateur. Que le Seigneur bénisse. Tu expliques qui côté ça que les tabernacles de la répétante, de la tante. C'est le décorrecteur chapitre 5. Frère Paul a zolo baké. Aussi longtemps que nous habitons dans cette tente, nous sommes séparés de Dieu. Frère Paul a zolo expliqué la tente comme le corps. Nous avons compris que la tente c'est le corps. Le tabernacle est fait comme la tente, c'est un corps. Le corps de qui? C'est le corps de Jésus. Vous voyez? Mais vous remarquez qu'aussi le temps que le tabernacle est là qui dressé, l'arche de l'alliance est là qui n'a quatre et bima quitté. Mais pour l'arche de l'alliance et bima n'a quatre tabernacle, il faut que le tabernacle soit démonté. Tant que vous démontez le tabernacle, il y a l'arche à bima n'a quatre tabernacle. Nous disons que l'arche dans le tabernacle, c'est ça la plénitude de la divinité qui était en Jésus. C'est ça l'esprit qui était en Jésus. Démonter le tabernacle, c'est ça la mort de Jésus à la croix. Quand le tabernacle est démonté, c'est ça la mort de Jésus à la croix. Ne arche zobima, c'est ça aussi, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Maintenant remarquez, quand l'arche zobima na kati ya tabernacle, ezo kende wapi, ezo kende pa ba sacrificateur. Or à la croix, le véritable tabernacle, tango molimo me kati nae, aloba ki j'ai remis mon esprit entre tes mains. Tu veux expliquer l'esprit comme l'arche. Tango zobima na kati ya le véritable tabernacle, Jésus. Azo kende na maboko ya papa, mais maboko papa tout le monde awa c'était les sacrificateurs, les lévites. Alors tout à l'heure ça qui? Les lévites bazalaka ba premier né. Bazalaka ba premier né. Ce sont les ministres de la parole. C'est pour dire que quand l'esprit azo longwa na kati nzoto wana, ezapo aya na kati ya ba ministres. Que le Seigneur bénisse. Alors les ministres sont là pour nous expliquer la pensée de Dieu. Donc, le ministre Royaté a appelé sa peuple l'écriture que Zoé au nombre chapitre 10 que nous avons en écouté. Et tali peuple était. Il y a une fois expliqué peuple. Donc, un ministre a été un peu de parabole. A été un peu de massé. Nous ne sommes plus autant de paraboles. Nous sommes autant de l'explication. C'est pour dire que quand un ministre monte sur la chair, pour nous expliquer la pensée cachée de Dieu. Donc, quand l'arche quitte le tabernacle, tant que le tabernacle est démonté, l'arche a bimi à kemba la moko na mapeka ba sacrificateur, ba l'équilibre bosso ba tambo sa peuple. Et on te dit que quand le véritable tabernacle, la zoro ba que j'ai remis mon esprit entre tes mains, ma boko on a tout simplement comme les sacrificateurs na ombre, c'est ça le ministère. C'est pour dire que quand le Saint-Esprit vient dans le ministère, c'est pour nous expliquer la pensée de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Ok. Tout à l'heure, c'est bongo, mbaleleki. Par la grâce de Dieu, tout aussi mba maboko sur le plan prophétique. Tout aussi mba maboko sur le plan prophétique. Dans la révélation, tout aussi maboko na comme les ministres. Dans la prophétie, tout aussi changé couleur. Tout aussi mkanda à des rois, chapitre 7, verset 14. Des Rois chapitre 7 verset 14. On prit des chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers sur les traces de la Syrien, de l'armée des Syriens en disant allez et voyez. Que le Seigneur bénisse cette lecture. Lecture Zamulaï, mais trop essentiel toi bien. Nous allons écouter qui na Samarie. Dans nous allons écouter na kata Samarie peuple souffre qui bien dans la. Mais écoute quoi arriver, je crois toi histoire. Et quoi qu'il arrive qu'il y avait quatre lépreux au banda au vendre dans l'ibanda. Il y a quand quatre lépreux tant au barokende n'angambi ya basirien. Bible les autres ça qui na quatre marche na bangon zamba ou ça qui bakake n'angambi ya basirien. Basirien bakimaki.
bakota ki nakata tanta liboso bazui or argent bazui nourriture bazui ba vêtements bakoya kopesa nouvelle mais bato bazana nakata ville bandima ki penza nouvelle te alors bato bazana nakata ville pona kondima nouvelle esengela ki bazwa décharge bima et qui ne ko vérifier ne kizu tangi tant que décharge ko meki vérifier ne décharge ko ya ko zonga tant que pèse information ne peuple ko ndima abimi akende ko luka appuyer a zo biloko ya ko lia que le Seigneur bénisse cette histoire que le Seigneur nous bénisse pour tout ebi c'est ça la vie histoire aux en explication et belé ya ko pèsa ao mais tous à viser par rapport il y a sujet au temps brûlant. Tous expliquer les mains dans la prophétie. Tous le les mains dans la révélation, c'est le ministère de la parole. Tous une petite démonstration. Dans la prophétie, tous le les mains c'est quoi? Nde tu es na écriture tout ça na yango. Tous le baboye sur le plan de révélation. Premièrement, les quatre lépreux oyo. Oyo basala ke peuple balia bazo biloko ko lia dal si le plein révélation et le belagana mutu moko et le belagana si le Seigneur Jésus poto ndima kake soki tozo bilei ya ko lia ezana nzela ya mutu moko ki le Seigneur Jésus les quatre lépreux tobi ezo tal se foka mutu moko le Seigneur Jésus oyo tangwa ki na se amabele il était le fils de l'homme le fils de David le fils de Dieu et le fils d'Abraham. C'est ça, les quatre êtres vivants. Parce que les quatre êtres vivants, en vérité, il y a quatre têtes, mais il y a quatre. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a quatre. Donc, on dit que les quatre lépreux, au tel son nom, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Autant que nous sommes à Bélé, il y a les véritables quatre êtres vivants. Il y a le fils de l'homme, fils de Dieu, fils de David, fils d'Abraham. L'aigle, lion, veau, bé. Ndeye moko wana. Mais vous remarquez, balobi ke bazala ki ba lepre. Ki lepre na bango total sa le Seigneur. Oyo tangwa yaki na sa mabele. Parce que ko bosa na te. Quand un homme azalaki na lepre, babande ko bwa ka eli banda. C'est pour dire que la lepre c'était l'impureté. Il fallait pas mettre en haut li banda ya kan. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a koufa li banda ya ville. Pourquoi? Parce que koma ki lepre. C'est pour dire que Jésus, à la croix, était un lépreux. Il était devenu un lépreux. C'est pour dire qu'il était devenu péché. Que le Seigneur nous bénisse. Il était devenu péché. Ok. Donc, dans il y a un lépreux de Samarie. Il y a un lépreux de Samarie. Il y a comme l'humanité toute entière. Où tout ça qui est là, lobby, tout ça qui nourriture. La nourriture, tu expliques qu'on a pas couleur rebelle. La nourriture, tu expliques qu'on comme la parole de Dieu. La nourriture, tu expliques en haut aussi comme la justice, parce que la Bible dit que errer ceux qui ont faim et soif de la justice. Nous avons compris que l'île peut rappeler justice. C'est pour dire que dans cette alliance, tu as qui l'île pas, tu as qui argent, tu as qui or, tu as qui bilamba. Mais pour tous les biloko, il fallait qu'il les quatre lépreux. Et on te dit que les quatre lépreux, bata sana le Seigneur Jésus, nanzela na ye, nde l'autre zui lipa. Que le Seigneur nous bénisse. On te dit que toko isolé ba facette moussous parce que tozo talisa maboko. C'est ça notre objectif. Toko expliquer ba facette nyon sauté parce que tozo talisa nde maboko. Te dit sur le plan révélation, les quatre lépreux nous parlent d'abord du Seigneur Jésus Christ. Parce que nanzela na yende Samarie ba kozwa bile ya kolia. Nanzela ya Jésus, nde lelo tozui nourriture, tozui or qui est la divinité, tozui nourriture qui est la justice, qui est la parole, tozui l'argent qui est la rédemption, les rachats, tozui les vêtements qui est les œuvres qui est aussi le Saint-Esprit. Parce que nous croyons que les vêtements c'est aussi le Saint-Esprit. Son alo ba les vêtements c'est le Saint-Esprit, nazo y raisonnete, naza et pa ya Élie na Élisée. N'azé pas Élie na Élisée. Élisée qui n'a pas ça, il y a Moli moi ça là qui le colère Élie. Mais il y a ce qui est, et le cas où c'est difficile, mais ce que moni nga n'azo mata, ndoko et comme possible. Donc moni Élie a mati. Élisée avait besoin de l'esprit, mais tout le monde a vêtements des oiseaux. C'est pour dire que ton manteau des oiseaux, tu comprends que
na limboli manto et symbolise capé le Saint-Esprit. Que le Saint nous bénisse. Vous rappelez le vêtement. Tobi que tu jubes le cognonso quant à la révélation nanzela ya le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Seigneur to linga Yesu ko le cognonso. Bulingwa Yesu feli ka ulinga bulingwa Yesu feli ka bulingo ya nyonso ele ka bulingo ya mwasi ele ka bulingo ya mobali ele ka bulingo ya bana ele ka bulingo ya msala ele ka bulingo ya nyonso parce que ce que le Seigneur Jésus nous a donné aucune personne a ko pesa biso yango. Ce que le Seigneur Jésus nous a donné aucun président de ce monde a ko pesa biso yango. Ce que le Seigneur Jésus nous a donné ezana mutuya bakuteka ka yango na magasin mon côté ni na États-Unis ni ce qui peut na France ni na Japon ni et si kamote na sa mabele tokozwa o le Seigneur a pesa biso. Voilà pourquoi nous devons l'aimer plus que toute autre chose pour sala pour na biso eza ya mutuya. Que notre Dieu Jésus-Christ soit béni, que notre Dieu Jésus-Christ soit loué parce qu'il est l'unique et le vrai Dieu. Libanda na Yesu nzambe mususu azate. En dehors de Jésus c'est l'enfer, en dehors de Jésus c'est la mort. Muta boi Yesu akozanga lipa. Cela veut dire akozanga justice. Cela veut dire akozanga la nourriture véritable. Muta boi Jésus akozanga or. Cela veut dire akozanga bonzambe. Quand on voit revoir la divinité, la Bible dit jette ton or dans la poussière et l'Éternel Dieu sera ton nom. C'est pour dire que l'or c'est la divinité. C'est pour dire que libanda Yesu bonzambe zate. Libanda Yesu argent zate. Quand on voit l'argent, on voit la rédemption. Libanda ya Yesu argent zate donc rédemption zate bilambe zate molimo zate et puis misala ya malamu zate. Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse biloko tozolo ba ona zoko interpréter oyo okomona yango ba lepre bakuta ke ona kata ba tante mi balewana. Que le Seigneur nous bénisse. Je crois il a beaucoup expliqué mais tozoleka na aspect mususu nde na aspect tozana ngo sikoyo otosimbila maboko na prophétie tozana deux groupes abattoirs tozana bato bazana kata Samarie et puis tozana ba lepre o bazana libanda ya Samarie. Ah to changer aspect, to changer aspect na aspect osiko to simba tozana na Samarie bato bazana kata ville ya Samarie et puis ba lepre o bazana libanda ya ville ya Samarie. N'oubliez pas que na ancienne alliance les villes étaient entourées de murailles. Hein, les villes étaient encerclées, entourées de murailles. Donc, bato baza libanda ya ville, nabo baza na katia ville, eza na murailles moko zawa neza ko separe bango. Tozo talisa ke, ba o baza na katia ville, bazo représenter la maison d'Israël. Bango nde baza laki na katia ville, na katia sacerdoce, baza laki pene ya Nzambe. Ba oyo baza libanda ba lepre oyo, ba talisa pe biso bikolo. Oyo lobby tozala ki musika ya Nzambe donc forma ki deux peuples tozala ki séparé na zolo bakè et koma mité mena zo ki ndoko ki makotala ke ba ville ezala ki encerclé na ba mirai tozondi makè ba ville ezala ki encerclé na mirai donc bazo so ba biso libanda vi donc bi libanda ya mirai donc mirai wan tota son comme la loi o séparé ki bo bazana kati na o bazana libanda. Que le Seigneur nous bénisse. Yango ko remarquer tango ba sacrificateur ba sonaka trompette na Jericho ndesala ka mirai kweya tango mirai ko kweya e ko sala ke Israël zala ki libanda na Arabo zala ki nakati ba sangana pour former un seul peuple et lo banda ko séparer bo za libanda non bo za nakati c'était la mirai mais tango ba kobeta trompette nde mirai ko kweya ba to akati na ba to libanda ba ko sangana pour faire un seul peuple. Nous disons que la mirage c'était la loi. Les sept sacrificateurs représentent un seul sacrificateur Jésus-Christ à la croix. Les sept trompettes représentent les sept paroles de Jésus à la croix. Tant qu'on a sonné les sept trompettes qui sont les sept paroles, c'était pour que la mirage puisse tomber. Mirage, c'est ça la loi. La Bible dit que Christ est la fin de la loi. Enfin, que bah, oya kati, na oya libanda, tout sangana, tout ça, un seul peuple. Aujourd'hui, Ephésiens chapitre 2, verset 17, le bi, il est venu annoncer la paix. Bah, oya bazalaki pembeni, na oya bazalaki musika, aujourd'hui nous formons un seul peuple. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Toke, kuna pona kotali sa ke, na Samarie, bah, tu bazana kati, bah, lepre bazali banda. Tobi ke bah, lepre bazali banda, bah, banda ki peko symbolise biso bikolo.
ou tu as qui éloigné, tu as qui moustika, bon, bah, on a kati, bah, on symbolise la maison d'Israël, que le Seigneur nous bénisse. Mais remarquez une chose, ils ont la bao à Libanda, ils ont la bao à kati, tous, nous allons les qui, tous en a qui lipa. Donc, au total, c'est que ce soit Israël, que ce soit nous les nations, nalikani sanzambe, tous en a lipa. Parce que Israël, ataba pesaka e mobeko, mais mobeko ezalaka nourriture ya soloté. Yango le Seigneur Jésus-Christ dira que vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont tous morts. Mais moi, je suis le pain de vie, le pain qui est descendu du ciel. Nous avons compris que mobeko o nzamba pesaka Israël la manne, parce que la manne représente la loi. Vous voyez, représente la loi, la nourriture. O epesa vite, o epesa kufa. Total sera pour nous l'obac est l'ancienne alliance qui n'a pas été qui n'a pas été que ce soit Israël, que ce soit nous les nations, la nourriture et la quitter. Que le Seigneur nous bénisse. Je crois les quatre lépreux, tout ça va couler avec Bélo. Expliquer Bango n'a couvent d'après Ming et pas d'abord. Un problème n'a expliqué ma beaucoup n'a prophétie. Les quatre lépreux, tout expliquer Bango comme les ministères, comme les ministres. Hein? Tu expliques comme les ministres, les quatre lépreux, ou tu expliques comme le peuple, que le Seigneur bénisse. Ce qui te ça aspect mon corps, ce qui te ça aspect mon corps, ce qui te ça aspect mon corps, par rapport à Christ, tu dis que les quatre lépreux, bataille sera Jésus. Tu rebaxes le comment on a, les quatre lépreux, bataille sera Jésus. Tu expliqueras déjà quatre facettes naé. Il y a une moutoua et la psoublo raoulia. Nanzela a quatre parlé. Il y a 1 Corinthiens 14, verset 6. La révélation, la doctrine, la prophétie, la connaissance. Nanzela a toujours joué. Bilei. On a un aspect à qui se Christ est la révélation. Ce que nous avons aspect toujours joué. Balé. Tolobi qui est un aspect où il y a les prêts. Où il y a un représentant. Bissopé. Où tout cela qui est les prêts. Cela veut dire tout cela qui est impire par rapport à Israël. Israël était pire par rapport à la loi. Nous, les nations, nous étions impires par rapport à la loi. C'est ça, les lépreux. C'est pour dire que Nami soit Israël, l'obit tous à la qui va lépreux, Nami soit Israël. Tous à la qui va impire, et puis Israël va la qui pire. Que le Seigneur nous bénisse. Mais, Nalobi, que tu expliques, bah, lépreux, ou tu expliques, bah, le rôle à peuple. Tu expliques les pros le cola ba ministre oui tu expliques ba ministre mais tous a peine à aspect onate mais problème nangeza a wezake na deux peuples oyo ba les pros ba zaki libanda ba ngonde bazo zwa bile ya kolia ba to liboso mais peuple ba zana kati Israël bango ba kozwa bile cela veut dire ba kozwa bile déjà ba les pros ba si balé nde bango ba kolia bile na sima. Que le Seigneur nous bénisse. Or, quand on voit les lépreux, nous voyons l'église. Dans cette église, nous voyons aussi le ministère de la parole. Où est Zawana pour nourrir. Que le Seigneur nous bénisse. Bato bazana kati ba kozwa bilei na sima. Mais bato bazana libanda ba kozwa bilei. Ne biso o toujours nourriture lelo. Mais Israël, si lelo, a zozwa nan bilei te. Que le Seigneur nous bénisse. Yé le tsiazou nan bilei te. Yango remarqué Jacob aya kande et pas ya Rachel mais avant qu'elle n'est pas Rachel azana n'est pas Léa. Léa zobota tant Léa zobota Rachel azana incrédulité Rachel zobota te ana kata stérilité. La stérilité de Rachel ezotale c'est l'incrédulité d'Israël aujourd'hui. La fertilité ou la fécondité ya Léa et otale ça les nations autosa le loto yambe évangile tozobota bambuma mais kobosa na te après avoir kobota na Rachel une fois que nokobota pe na Léa c'est ça le soleil hein? OK akolongwe par Rachel et par Léa akine par Rachel c'est ça la grâce qui quitte les nations pour retourner en Israël côté Eutaki que le Seigneur bénisse mais atozomona bato baza libanda tous ba lepre autos ba comme les nations. Nde bazo zwa bile ya kolia bato aliboso. Nde après Israël, bato baza na kati, nde bako wako zwa nourriture. Mais oko remarke ke, tolobi ke ba lepre o, bako zala explique, loko la Christ te explique, bako kipe ko zala explique comme les ministres, bazo zala explique comme le peuple. Pona kati ya peuple, tozala ba ministre.
C'est Nanjela ma ministre de Zoralité à l'élo. Que la Seigneur bénisse. Mais vous remarquez, malgré Bakopé, ça ne s'engouait pas, Bato Bazana Kati. Bato Bazana Kati, Bakoboya. Donc, pour Bango Bandima, il faut déchar et bima. Il y a un autre dit que l'élo, à ta ministère, et Teiba Yuda, à ta ministère, et Teiba Yuda, Bayuda Bakondimate. Pour Bango Bandima, il faut Bachar et Bima. Nde batali sababu ke deshar nde kobima soki deshar ke ebimi e vérifier etali si le confirmer ezongi a nde peuple wana ndimi yanto bike ba samaritain ici représente la maison d'Israël ba lepre na libanda représente nous l'église aujourd'hui oyo autrefois nous étions impurs par rapport ya mobeko mais aujourd'hui c'est nous nde twana bilei twana bilamba mais Israël aujourd'hui a la nourriture. Israël aujourd'hui, Azana Bilambate, Azani, Azana Bilambate, que le Seigneur nous bénisse. Mais pour Bazo Biloko, il faut décharer Bima. Or, déchar, na ke kotali sasko ma boko na prophétie, déchar oyo, vous remarquez, moukolo Eli Azo Mata, Élisée Azo Loba, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Nous avons compris que Eli Azala Kinde char. Or, Eli, c'est un prophète. Nous avons compris que les deux chars nous parlent des deux prophètes. C'est pour dire que deux chars, ils ont des prophètes. Que le Seigneur nous bénisse. Tout le monde a deux chars, tout le monde a des prophètes. Et comme ma bison baramoko na Apocalypse, et comme ma bison baramoko na Apocalypse chapitre 11. Hein? Et comme ça, on a parlé chapitre 11, 8, verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtis de sacs pendant 1260 jours. Ok. Ce qui te dit, to kiti, to koya kozoa, verset, to ya kozoa verset combien? To koya kozoa verset 10. Verset 10, c'est le but. Et à cause des les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse et ils en feront des présents les uns aux autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Nous avons compris que les deux chars, ils sont les deux prophètes. Que le Seigneur nous bénisse. Et on trouve que les mains dans la prophétie, ce sont les deux témoins. C'est pour dire que l'ITER, l'explication, Israël a causé un grand nombre y a des témoins. Nous insistons pour dire que les deux témoins, parce qu'on a deux personnalités, ils ont un langage symbolique. Toujours les deux témoins en détail, mais ils ont un langage symbolique parce que les autres, tu as les cinq ministères. Mais quand tu vois les cinq ministères, tout le monde a cinq personnalités, un ministre, bah ça tellement est belé, mais tout le monde a cinq ministères. Toujours t'as les saboui, que le Seigneur nous bénisse. Que les lons ambazo big sananzela un ministère, l'obi pas au big sananzela un ministère, parce que sans les ministères, sali et zate. Que le Seigneur nous bénisse. Ok, Israël, a quoi ban akobika nanzela y a des témoins. Akobika nanzela y a des témoins. Yango kumwa na mukanda ya Osée chapitre 14, verset 1 à 2. Osée 14, 1 à 2. Israël revient à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Iniquita Israël les Anim. Iniquita Israël les Ali. Vous pouvez remarquer. Pilate a eu tout à l'heure sur Mituna. Il a eu à répondre. Pilate a eu ici sur Esco. Il a eu à pouvoir. Il a eu à bête. Il a eu à relâcher. Il a eu à le bien. Il a eu à pouvoir. Il a eu à le bien. Mais maintenant, celui qui m'a livré entre tes mains a commis un grand péché. Or, celui qui avait livré Jésus entre les mains de Pilate, c'était Israël. C'est ça, l'iniquité d'Israël. Verset 2. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. Au bas de Israël, au ton temple, mon corps, n'est-ce qu'un antichrist, au côté de temple, wana. Ils ont faux enseignements. Parce que Israël a tambola comme peuple terrestre dans l'ombre. Mais, tant que des témoins, ils ont une causalité. Même prédication, ils ont une causalité.
Israël va nous sa ba taureau, mais awa va nous les fruits des lèvres, adoration, ba louange, ce que nous faisons aujourd'hui, Israël va la yango lobby. Mais à cause de nous, il y a des témoins. Et on te dit que les démons dans la prophétie, et les deux témoins, que le Seigneur nous bénisse. Les démons dans la prophétie, et les deux témoins, que le Seigneur nous bénisse. Tozana mukanda ya Genèse. Tozana verset chapitre combien? Chapitre 45, verset 27. Genèse 45, verset 27. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Ok. Jacob, yewanaka Israël. Ici, Jacob, waza Israël, représente tout un peuple. Que le Seigneur bénisse. Tozana Joseph, tozana bandekwa Joseph, tozana Jacob. Joseph, azalaka type ya Christ. Joseph, azalaka type ya Christ. Oyo, bandekwa neba boya kiye. En fait, que ça complique le critique, il dit, il est venu, c'est les siens, mais les siens ne l'ont pas réussi. Israël, baboyaye, bayamba été. Que le Seigneur nous bénisse. Mais, vous remarquez, à côté de moi, n'amboka ya bapaya, à cause de la élevé. Pharaon, à côté de moi, Pharaon, à l'image à père, à côté de moi, Joseph, c'est pour cela qu'il a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout le nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et qu'au nom de Jésus, toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de le Père. Joseph Bayambi en Égypte, mais pas Bandegone Baboyi. Donc Joseph en Égypte, c'est ça l'évangile chez nous, les nations aujourd'hui. C'est ça Christ, c'est nous aujourd'hui. Oya Tombo Amina Kembo, Oya Zoko Renier, O Papa Tombolier. Que le Seigneur nous bénisse. Mais, Tozana Jacob et Joseph ont régné en Égypte. Tous appelés à Jacob ou à Tigalikoto. Jacob, c'est lui l'Israël. Que le Seigneur nous bénisse. Mais vous remarquez, Bandeko ya Joseph. Bakoyako. Jacob, que Joseph a régné. Yende koutoum tato gouverné mokili mobimba. Jacob a rondimane et takoboya. Mais pour Jacob andima, il faut mon abachar. Les frères de Joseph ici représentent les ministres de l'évangile. Oyo bazo participer na conseil Nzambe pour donner la pensée au peuple. C'est pour dire que Israël lelo akoyoka bandeko Joseph, cela veut dire les ministres de la parole Israël akoyoka bango te. Tuzubenga bango bandeko bandeko Joseph ba ministre pourquoi? Quand les femmes étaient venues na sépulcre, bakutana Jésus. Joseph dit, allez dire à mes frères. Les frères, premièrement, ils s'adressent aux apôtres. C'est pour dire que quand on voit les frères, on voit aussi les ministres de l'évangile. Et on te dit que, Joseph, c'est les ministres de l'évangile. Oyo, baza côté à Sangomalam. Sangomalam, on dit, que Joseph vit. C'est pour dire que les ministères de la parole étaient, comme tout le monde, étaient les véritables Joseph. Pour Joseph Tolobela et à Joseph Ouana, fils à Jacob T. Mais Joseph Tolobela, c'est le Seigneur Jésus. Yendaza la bombe. C'est pour dire que quand un ministre prêche, il prêche que Joseph vit. C'est pour dire que le ministre a dit que Jésus Christ est vivant. Il était mort, il est ressuscité, il a vaincu la mort, il est vivant. C'est pour dire qu'un ministre a dit qu'un peuple Jésus est dans la bombe. Un ministre a banque sa peuple T. Aïeb sa peuple n'est pas père. Car Jésus a vaincu la mort, Jésus a vaincu le péché, Jésus a vaincu le diable, Jésus-Christ est vivant. Non seulement un ministre a dit que Jésus-Christ est vivant, Joseph vit encore, d'ailleurs c'est lui qui gouverne tous les pays. C'est pour dire que ministre, tant que Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ qui est vivant, non seulement Jésus-Christ qui est vivant, mais à côté il y a peu qui est, Nakata Ecclesia, Mouta Tombo Mikole Kabatunyo Sarane Jésus. Parce que c'est Joseph qui était élevé. C'est pour dire qu'un bon ministre doit élever Jésus. Somoni ministre, l'autre est à Moutou. Biman Église, c'était un faux ministre, c'était un ministre du diable.
un ministre doit élever que Dieu, que Jésus-Christ. Nous devons faire beaucoup d'hommes d'attention avec les cultes de la personnalité dans la ecclésia. Dans l'Église, nous avons une seule personne à élever dans la prédication, c'est Jésus. Yesu n'est-ce qu'un tombola. Mais les lots, malheureusement, au moins, on a battu, comme il y a un tombola, battu dans la catamatea. Battu, comme un tombola, battu dans la catamatea. Une seule personne, où a mérité tombola, c'est Jésus. Que le Seigneur nous bénisse, parce que c'est lui qui règne. Il est dans la domination, il est dans l'autorité, il est dans le pouvoir. Église, il est dans la église, il est dans la moutoute, il est dans la Yesu. Il est dans la tombola. Que le Seigneur nous bénisse. Mais, on va remarquer, malgré le lobby bongo, Jacob a koboya, parce que Jacob c'est le représentant d'Israël. C'est pour dire que l'élo Israël ne peut pas croire à l'évangile pour nous en bas livrer dans une incrédulité à Andimate. Mais pour Israël, Andimate, Jacob, il faut mon abachar. Tant que mon abachar ne va dire que son esprit se ranima. Or, tout le monde a expliqué les chars comme les deux témoins. C'est pour dire que Israël a condamné à l'été à deux témoins. Tant que mon abachar a deux témoins. Ne Israël a condima, ne Israël a se convertir, a causé le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse, Tolobi, que les mains au côté Moli Monanzambazo Kende, na prophétie, et tout à sende les deux témoins. Que le Seigneur nous bénisse, Tolobi, que les deux témoins, bah, la deux personnalités, bah, causa la ébélé, que le Seigneur nous bénisse, bah, causa l'ébélé. Mais tant total, ça les deux témoins, et tel sabiso car la lettre, et l'explication. Pourquoi j'ai dit ça? Tout le monde a un détail qui m'a flashé en passant. Nous avons dit Israël, je prends aujourd'hui en témoin contre vous le ciel et la terre. C'est pour dire que nous avons un témoin qui balé le ciel et la terre. Vous voyez, les deux témoins de Dieu, c'est le ciel et la terre. Que le Seigneur nous bénisse. Or, quand on voit la terre, on voit le frère Moïse. Quand on voit le ciel, on voit Christ. Cela veut dire à la lettre. La lettre et l'explication à la loi et au témoignage. C'est pour dire que Bate Yuana Bakoteaka à la loi et au témoignage aux autres mapanabisolelo. La lettre et son explication, la parole et la puissance. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Donc kita pona kosuki saboué, pona kolobake, na katia makamwanza, mais nous devons savoir que chaque chose a son temps. Est-ce que Dieu a oublié son peuple? Loin de là. Mais dans le calendrier en Zambé, il faut que ba lepre ba liana nou liboso, bongo ba o bazan na kata Samari ba kolia sima. Dans le calendrier en Zambé, il faut non Égyptien ba sepela na Joseph, bongo Jacob ba ko sepela sima. C'est ça, le plan de Dieu. C'est pour dire qu'il fait toutes les choses bonnes à son temps. Et bien, tout le monde a ba paganou lelo, to fingae, to sekae, tamso fingae, to sekae, mo paganou, peut-être un grand ministre. Peut-être que c'est un grand chantre. Peut-être que c'est un don spirituel à Makasi ou les Kabiso. Mais tant que nous sommes nous, lorsque nous sommes là, nous sommes là pour nous rejoindre. Que le Seigneur nous bénisse. Nous disons que Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Bah, les prétendants ou Bozolia, Boseka, Bozana Samarite, pour Bango Pébazana Tabarolia. Que le Seigneur nous bénisse. Mais Égyptien, tant que c'est là, Boseka Jacob, parce que Jacob n'est pas un temps à Rosepela. Mais qu'on s'appelle la couture à Jacob, attention à qui c'est la doctrine, attention à la révélation, c'est la doctrine. Qu'on s'appelle à Jacob, et que les cabines, pourtant Jacob, il y a qui en Égypte, il marchait avec les chars. À ce qui n'importe qui était, à mon pharaon, mais l'Égyptien, il y a un pharaon, Joseph. Bah, mon pharaon, t'as me souhaité, mais il y a un pharaon, pas mon pharaon. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Ce que vous en moi, dans un mais reste dans la doctrine. Reste dans la parole. Le Dieu qui a visité ton frère aujourd'hui, il te visitera aussi demain. Ton problème, c'est de rester dans la volonté de Dieu. Ton problème, c'est de rester dans la prière. Oumela nakatia losambo. Que le Seigneur bénisse. Oumela nakatia litea. Oumela nakatia losambo. Nzambe, aza nzambo, wa salaka acception à batouté. Soka visité ba lepre lelo. Lobia ko visite ba to baza nakatia Samarie. Hein? Ce qui a péché au Libala, lokolo za mwana nae, tika na kata kosambela, lobi pa kobali sayo. Ce qui a boti, tika na kata prière, lobi a koboti sayo. Donc, inutile o ina frère na yo, parce que frère na yo a zui. Inutile yo pe o sekande konao, parce que yo zui avant, po yebi o ya kozoate na simana o yebite. Que le Seigneur bénisse. Parce que pendant que Joseph a régné en Égypte,
koto Jacob ayibite pesa na ite. Mais tangu Jacob akoya koya pembeni na ye, gloire akozwa pembeni kuleka oyo kutu bato bazalaki pembeni na Jeff Bandaka la na Egypte. C'est pour dire que kubeta tolote na onzamba osalelo, oyibite onzamba kufungula pande kolobi. Oyibite peut-être façon de savoir qu'on utilise, donc c'est la plus puissante par rapport à nous avons utilisé. Notre robe est à toi l'auté, n'est-ce pas, frère Paul, toi qui s'est glorifié, qu'est-ce que tu n'as réussi? Robe est à toi pourquoi? Robe est à toi pourquoi? Parce que tu prêches bien. Robe est à toi pourquoi? Parce que tu enseignes bien. Robe est à toi pourquoi? Parce que tu as mon véhicule, parce que au Bali, parce que au voyager, parce que tu as ceci, frère, nous avons utilisé. Non, marchons dans l'humilité. C'est Dieu qui donne. Natenge ya lingi, natan ya lingi. Que le Seigneur nous bénisse, marche dans l'humilité. Yo o nzamba pamboli yo lelo, ko tchola wa zuite. Tambora la kata humilité, po yo pe avant ozwa, ozalaka nango pete, mais lelo zui. Yo pe o zuite, ko inape mouto zuite. Tikala kana kata humilité, tikala kana kata vie de prière, nzamba salaka exception abatoute, un jour ako visite yo. Que le Seigneur nous bénisse. Pona lingaka Jacob. Na mona ndeko moko ye manzembo moko ona confessa kate na kulaka na nzembo wana te. Je trouve c'est cette chanson na parti wana précisément na mona kango diabolique azoye mbalobi tia kombo nanga na liste s'il vous plaît mbisa pembe na biso wa baotala match bolimbisa biso azoye mbalobi tia kombo nanga na liste ya mapamboli na yo boyebi frère wana bona benge frère par rapport à Adam. Par rapport à Christ, c'était la littérature parce que la littérature a frère Nabisote. Azo yemba, bacha komboli nakata liste ya mapamboli. Bon, merci, hein, parce que azo reconnaître que nakata liste azate, voilà pourquoi elle demandait ça. Tant Jacob bénissait ses enfants, tant wabandie pas y arrivait, Benjamin ne peut pas pleurer. Parce que il dit que j'ai le sang de Jacob. Même si Ruben est béni aujourd'hui, papa koyaka malembe malembe suka kokoma pepa na ngai. Lokwa naza makila na ye, na kosa la priorité que cha kombo na kana kataliste naza la kanaliste. Ele ko kotinga na liste za makila na ye. Vous voyez? Donc Jacob et Juda ne peut pas réclamer mais papa. Ozo pambola Ruben, bongo ngai te Juda ebi ke tour na ngai koya. Azana pa yaya. Apa mbola na yaya. Akoya pa Simeon, akoya pa Levi, akoma pona ngai. Qu'est-ce qui fait ça? Aibi ke naza na makila na j'ai droit. Naza makila na ye. Or le sang que nous avons, c'est ça la vie de Jésus, l'esprit que nous avons. C'est pour dire que komi tungisa te akobosa note. Nzamba za aventurier te. Ndenga bande pa Ruben, awaya pa Simeon, awaya pa Levi, awaya pa Juda. Atosa Benjamin komi tungisa toza na kataliste akome pa nayo. Que le Seigneur nous bénisse. Prochainement, tu vois bien que si ma source aspect mususu, je remets mon esprit entre tes mains. Je crois que tu connais l'aspect moko na prophétie. Bon, tu sais bah événement oyo, et juste à la matin où Christ a zoloba, je remets mon esprit entre tes mains. S'il y a des questions à poser, bah numéro na Zali, plus 243 89 860 88 75. Baxi plus 243 99 88 77 333. Au bengi biso poser ba question pour que bana répondre. Si vous posez ba question mususu car na Bible ou tenu de répondre par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.